Agir pour la planète, ça commence par notre assiette. Lorsqu'on parle de transition agricole aux élus, il y a toujours une difficulté à motiver et à susciter le passage à l'action, parce qu'on identifie d'abord le risque politique, les risques politiques, plus que les bénéfices qui sont associés au fait de changer notre système agricole et alimentaire. C'est pour ça qu'on a créé Parcelles, notamment. Parcelles permet de jouer sur trois leviers différents de durabilité de notre alimentation. Le premier, il concerne notre mode de production agricole. Est-ce que notre assiette est bio ou non? Le deuxième, il concerne la proximité entre la production et la consommation. Est-ce que notre assiette, elle est locale ou non? Et le troisième levier, il concerne notre régime alimentaire et la part de protéines animales dans notre assiette. Différents bénéfices ou intérêts qui sont mis en scène et valorisés par Parcelles, ils sont de différents ordres. On peut parler des emplois agricoles associés à l'acte de production. On peut parler également de l'ensemble des impacts écologiques et sur l'environnement, que ce soit sur l'eau, l'air, le sol ou encore la biodiversité. Et surtout, ce qui nous intéresse pour Terre de Liens également, on parle d'impact en termes de surface agricole, d'empreinte spatiale de notre alimentation. Le grand enseignement de Parcelles, c'est que l'on peut nourrir l'ensemble de la population française avec des produits sains issus du territoire. Tout ça, c'est possible à trois conditions. La première, c'est que cela demande de réduire notre consommation de viande de l'ordre de 25%. La deuxième, c'est que ça demande de changer radicalement notre système agricole et que pour ce faire, il faut accompagner les agriculteurs et les paysans dans ce chemin et dans cette voie. Et la troisième, c'est que cela demande aussi d'imaginer une nouvelle solidarité entre territoires, producteurs et consommateurs notamment. On entend souvent parler de la ferme France qui nourrit le monde. Mais aujourd'hui, un agriculteur qui est dans une filière longue, il est en incapacité totale de dire qui il nourrit, où il nourrit, comment est-ce qu'il le nourrit finalement. Parcelles permet aussi du coup de reconnecter effectivement l'acte de production à l'acte d'alimentation. Et donc c'est finalement tout le travail de Terre de Liens, c'est de reconnecter le consommateur au producteur, de reconnecter la personne qui mange et celui qui produit.